Bonjour, bonjour à tous. Allez, ça fait longtemps que je vous ai pas embêté, que j'ai pas fait de vidéo live. Là, on est jeudi 3 octobre 2019. Et, bon, moi je change pas mon sujet. Les tremblements de terre. Ouais. Là, par exemple, la France, 9h02 UTC. Ok, donc tout de suite on vérifie avec le RENAS. Il nous parle d'une explosion 3.8. Hein. Ok, et on est à 20 km de Dieppe. Ouais, alors vous allez me dire, tu vas me dire, ou je sais pas quoi, vous dites ce que vous voulez, ce ne sont que des données officielles, je constate avec vous des choses. Voilà, on pleure pour un feu qui a cramé, que l'air tout va bien. On oublie de dire quand même que il y a des secousses sismiques au pied des centrales nucléaires ou des centres de déchets radioactifs ou je ne sais pas quoi d'autre, mais tout va bien. Je veux dire, c'est comme au Japon, à Fukushima, ils peuvent pas faire autrement que de déverser l'eau pourrie directement dans les océans. Et vous, nous mangeons du thon, enfin vous, parce que moi je mange pas de poisson, du thon ou tout autre poisson qui pourrait être extrait des alentours. Mais alors bon, pourquoi, qu'est-ce qui se passe là? Regarde, tu te rappelles quand même, là vous vous rappelez, là regarde ce qu'on a ici. Donc là officiellement le RENAS, il nous dit une explosion 3.8. alors qu'est-ce qu'une explosion en événement sismique? On ne sait pas, on n'a toujours pas le droit de savoir, d'accord? Ok, l'air ça va, je veux dire tout va bien, d'accord? Alors pourquoi, qu'est-ce que tu nous veux là? Regarde, qu'est-ce que c'est beau. C'est une centrale nucléaire. Oui. Voilà, je n'invente rien. Centrale nucléaire de Penly. On la connaît celle-là. On la connaît bien. Voilà, donc une belle explosion à, on va dire, 5 km. C'est ça. Donc on va dire un peu plus de 10 km. À peu près 10 km. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font péter ici? C'est quoi l'explosion? C'est quoi? C'est un banc de thon qui rentre en collision avec une baleine qui s'est échouée parce que son sonar fonctionne plus bien. Une explosion. Donc tu prends ce qu'on te dit, un point c'est tout. T'acquiesces de la tête et tu dis oui, c'est bien, merci, bonjour. Voilà, des explosions. Bon, du côté de Toulon, je veux bien comprendre, il y a les avions, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Et gnagnani, et gnagnagna. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas été voir le RENAS avec vous. Là, tiens, encore une explosion du côté de Dieppe, tu vois, 2.4. Donc tout ça, c'est validé, c'était hier, tout ça, c'est validé par des Gugus, dont c'est la fonction de valider des choses. Hein. Aujourd'hui, c'est un séisme. Tout à l'heure, ce sera une explosion. Ils font plouf plouf. Hein. Je crois qu'ils font au chifoumi. J'ai l'impression. Hein. Hein, puisque, objectivement, tu n'as aucune autre information. Oui, explication. Oh là là. Alors, c'était quand leurs petits incendies de merde là. Casse les couilles. Là. Putain. Oh, c'était déjà. Oh, regarde tout ça. C'est quand qu'ils vont bosser, les gars? Oh! Et puis en velay 3.1, t'as vu? Mais c'est pas grave, ça. Pff, c'est pas grave. Hein? Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est suite. Donc, tiens, un glissement de terrain, c'est beau, ça. 1.2. En magnitude, hein, ça fait un glissement de terrain. Du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne, c'est là où il y avait un essaim sismique il y a un an et demi, peut-être. Hein? Bon, du tir de carrière. Ils font des tunnels hein, pour aller se cacher ou pour cacher les migrants qui sont pas gentils ou très très gentils ou pour aller cacher leur... Pff, on sait pas quoi. Pff, ils font ce qu'ils veulent. Ils font du tir de carrière, c'est bien. De l'explosion, encore du côté de Toulon. Alors c'était quand leur petit incendie là? Attends voir. Donc moi j'ai envie de dire, on est le 23. On va regarder du côté du 23 septembre. Une explosion dans le sud encore. Du séisme du côté de Saumur. Mais ça c'est...
voilà toutes les séquences. Mais ça c'est Italie. À Guenon aussi ils ont des séismes. Oui, 1.1, ça va les petits joueurs. Calmez-vous les gars. Calmez-vous. Non, moi j'ai envie de te dire, du côté de Rouen, là-bas, il y a des choses. Hein, comme des séismes ou des tirs de carrière. Ou des explosions. Qui sont. Alors, tiens, Saint-Jean-de-Maurienne, t'as vu, donc 1.3, puis après, alors. Mont-de-Marsan, c'est pas tout à fait du côté de Toulon, de Rouen, mais bon. C'est pas ça que je voulais montrer. Je le retrouverai pas, c'est pas grave. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des événements. Ouais, ça a déjà disparu. Comme de par hasard, mais. Explosion. Non, c'est pas. Mais non, pas toi. Marsan, c'est ça. Mais non, bon. Mais non, mais il y a une autre centrale nucléaire aussi. C'est pas grave. De toute façon, en France, tu fais pas 50 km sans en croiser un truc. Que c'est pas bien, que ça fait du mal. Oh là là. Oui, bon, bah. À ce moment-là, tu restes au lit. Hein. Alors. Moi j'aime bien donc des données qui sont des événements qui se sont produits le trop balèze le 20 et 21 septembre qui n'ont pas toujours qui n'ont toujours pas été identifiés et validés quoi, traités. J'adore vitesse d'exécution. Alors Auxerre, ouh là 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 là. Pas grave. Saumur. Bon, Saumur, on se rapproche de Rouen. Encore que. Rouen, c'est plutôt là où Xavier, on n'oublie pas. Mais c'est quand même étrange parce qu'il avait semblé avoir des événements dans ce coin-là. Bon, bah c'est pas grave. J'y retrouverai pas. Tant pis. Bon, mine de rien, c'était quand même combien lui ? Saumur là, 3. Puis 2, 5. Non mais ça va. Attends, va. Tiens. Ouais, ça va. Centrale nucléaire. Non, bah ça va, tout va bien. Regarde voir. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Ok. Tours, Poitiers, Nantes. Chinon. Oh, trop beau, c'est bien celui-là que j'avais vu au pied de la centrale. Ouais, mais forcément, super zoom man, il va pas nous vouloir nous le zoomer. C'est quel jour ça? France, 24 septembre. Ouais, on va regarder ensemble. Alors, si je mets directement France, ça ira. Allez, France. Allô? Alors, qu'est-ce qu'on a là? 3.1 et 2.6, donc c'est bien cela. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que... Ok, alors 2.6. Donc ça, c'est le second. Et ça, c'est le premier. Alors, on n'oublie pas que la petite centrale, elle est du côté de... Alors attends que je remette ça correctement. Fais où la petite rivière? Elle est au bord de l'eau. Oh là 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 là.
aux aumures embauchées. Merde, je sais plus où est-ce qu'elle est, leur truc. Tour chinon. Alors, sur le mur. Attends, on est à la limite du département, donc il va y avoir de l'eau. Ouais, c'est ça, voilà, elle est ici. Voilà. Ok, donc là, on a une centrale nucléaire. C'est bien ça? Hein, c'est marrant qu'on ait encore le droit de voir les photos, elles sont pas pixelisées, floutées. C'est pourtant un site, à mon avis. Hein? Attends, et je comprends pas, c'est même pas indiqué sur leur truc. Non, mais c'est pas sérieux, ça. C'est écrit nulle part, on est dans le nucléaire, là. Oh là là, c'est toujours de la bombe atomique. Oh, de toute façon, il n'y a que ça. On est le long de la Loire et il n'y a que celui-là. Donc, on reprend 3.1 et 2.6 au pied de Chinon, pour ainsi dire. Hein. Mais ça, dans les infos, les informations ne vont pas te le dire, tu vois. Ils vont te dire, oh, il y a eu un feu à la centrale nucléaire. Ouais, bon, d'accord, c'est triste. D'ailleurs, c'est qui Warren Buffett? Ouais, et alors, soi-disant, le feu, il a pris l'extérieur de l'usine. Ouais. Puis faire passer des lois le jour... l'annonce de la mort de... comment il s'appelle l'autre, là? Jaco, le Chirac, là. Et puis faire passer donc une loi, la faire voter en présence de 72 députés sur 577. Donc je te laisse faire le calcul. Ils sont où les autres députés? Alors tu vas me dire, oui, mais c'est Macron. Et... non, ça a toujours été comme ça. Pour faire passer une loi qui fait mal à des personnes, on attend le bon moment. Et en présence du... moins possible de nombre de députés. Comme la nuit, des fois, ils sont 30 et ils font passer des lois. Alors, ce qui est fort, c'est que ils te le disent aux infos. Hein. Mais ça va, tout va bien, ça dérange personne. Ils sont, par exemple, 35 députés présents. Hein, mais il y a 40 votes. J'adore. Mais enfin, c'est la démocratie, hein, c'est ça. Allez, waf waf. Donc attention à vous, hein, les sacrés tremblements de terre, on a eu des belles secousses là au niveau du Chili. Moi je pense plutôt Puerto Rico le prochain. J'attends toujours la fameuse Planète X. Hein. J'y crois sans y croire, tu vois, c'est bon. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Moi j'ai plutôt tendance, à me focaliser un peu sur les volcans, parce qu'il y a quand même de sacrées choses, d'accord? Donc si ça vous intéresse, hein, vous connaissez les sites, hein, Volcano Discovery, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, USGS, donc ça c'est SSN pour le Mexico, l'EMC, comment t'appelles ça déjà? EMSC, ouais c'est ça. Ouais, bon allez, je vous laisse, et à la prochaine.